Chez mon conduit officiel, vous avez information de l'eau sur la piste de l'eau qui vous Karim Mokonzi la baronne, Nayeli Soussou, Tokobunda Nanzo Tote. Big up, fire, boom, boom, fire. A Karim Mokonzi, c'est juste un big up. Karim Mokonzi la baronne. Boyokini. Culturel, tout était côté politique, donc tous abonnés, chaîne à mon compte YouTube chez Mokonzi officiel. Karim Mokonzi la baronne, chante pas trombogos, Abedash. Minuit 30, bébé t'es toujours dehors. La chambre devient grande, dans ma tête je vois tout en noir. Et si on met sa mise à mise, on a comme on a eu tous les temps. Et en fait, ils font croire dans un sens, ils aident, ça c'est sûr, mais ces donations sont toujours déduites de leurs impôts. Donc, ils payent moins d'impôts. Voilà. C'est le but. Ah ouais. Tu donnes et tu reçois dans un sens. Si tu rends tout à 100%, ben, tu vas donner aux impôts ce que tu pourrais donner dans ton pays. Ah ouais. C'est le truc. Malheureusement que moi je ne joue pas encore de concert. Ce serait bien que tu en fasses. Ouais. Ou que tu t'inities dans un projet, tu sais, comme ici à Bruxelles, il y a, bon, ça l'année passée, il n'y a pas eu, Couleur Café. Tu vois Couleur Café? Non, je ne sais pas. À la Tour. Non, mais moi je me promène difficilement. Ah ben attends, ça c'est un truc que tu ne dois pas rater en tant qu'artiste. Tu ne dois pas rater le Couleur Café ici à Bruxelles. Ah ouais, c'est... Je vais demander à maman Jackie. Ah ben c'est toujours... Mais, je ne sais pas si elle est au courant, elle. Ah, okay. C'est au moment... quand il y a la fête de la musique. Mm-hmm. Tu vois, ils font... à Tour et Taxi, ils font Couleur Café. Et il y a plusieurs artistes qui viennent faire leur promo de leur nouvel album ou de leur nouveau... single, et il chante. Ma Jackie. Oui. Vin blanc, ma reine. Hein? Vin, ma reine. Vin, là, c'est ce gros coca. Ma reine, vous voulez du vin ou du coca? Vin rouge ou coca? Vin blanc. Vin ou coca? C'est ça, filmé. Non, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est des cacahuètes. Et ça, tu devrais faire, Karim. Ça, c'est des cacahuètes. Couleur café. Hein? Si. Je vais m'y renseigner. Tu connais les événements à Bruxelles qui s'appellent Couleur Café au mois de juillet, août. Si, je connais. Ouais. Il y a énormément de monde. Oui, je connais Couleur. Énormément. Et là, c'est un bon public. Toi aussi, tu aimes? Ouais. Moi, j'adore parce que, en fait, tu rencontres des gens multiculturels. Voilà, vous profitez pour des connaissances. Et ils montrent ce qu'ils sont capables de faire. Mais voilà. Il y a des bons artistes, hein. Il y en a certains qui sortent du lot comme ça, on ne sait pas pourquoi. Couleur café. Couleur café. Ok, je vais m'y renseigner, je vais demander à mon manager. Oui, il doit connaître ça. Ça, c'est l'événement de Bruxelles. Non, parce que, non, mais lui, il reste à Paris. Il est en France, mon manager. Ouais, il reste en France, il y a beaucoup d'événements. Hein. Ouais. Moi, j'ai mon amie qui est commissaire priseur. Elle fait les salles de vente. Et elle a beaucoup d'événements sur Paris, par exemple, où il y a... une panoplie de personnalités, d'artistes, où il y a parfois des événements, des artistes qui se produisent. Non, pas. Non, c'est interview. Non, tu m'enregistres. Ouais. Et tu... Mais attends, je ne suis pas journaliste. Hein. Je te donne juste des idées. Les idées, hein. Mais moi aussi, je partage tes idées avec machine.
Ah bon? Ben non, alors ils vont dire celle-là. Elle se trompe peut-être, mais bon, non, même tout pas. Ce que je te dis est réel, hein, donc voilà. Je n'ai rien exagéré, franchement. Voilà. Non, et la, en 2000, ah tiens, peut-être cet été, si le ministre ici arrête de nous casser les bonbons, ils vont nous autoriser à réouvrir les salles de concert et tout ça, je pense que oui. Mm-hmm. Et donc peut-être qu'il y aura à 2021, couleur café. D'ici là. Bah, à partir du mois d'avril apparemment. C'est beau, hein. Jackie. Tu connais l'événement ici à Bruxelles qui s'appelle Couleur Café? Bien Couleur sûr. Couleur Café, ben bien c'est sûr. Là-bas. Oui, à Tour et Taxi. Tour et Taxi, oui. Oui, à Tour et Taxi. Avant, c'était... À Molenbeek. Oui, 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 à Molenbeek. Je connais. Oui, je connais. Avant, je connaissais aussi des organisateurs. Ben, je disais à Karine de s'inscrire pour passer à Couleur Café. Oui, oui. Ah, ouais. Ça, c'est bien. C'est vrai, c'est une hein. bonne idée, oui. Ouais. Ça, tu dois le faire. Oui. Moi, il y a une chanteuse, je ne sais pas de quelle région elle est en Afrique. Je l'adore, mais c'est vraiment ma chanteuse préférée, dire, africaine. Ah ouais. Et elle, je la trouve magnifique. Elle est d'une beauté. Attends, parce que je retiens jamais son nom. Mm-hmm. Ah, mais je dois mettre ma 4G parce que ici j'ai pas de. Ah. Je donne le code de Wi-Fi. Non, c'est pas grave. Attends, comment elle s'appelle? Comment est-ce que je vais faire? Elle est congolaise? Je ne sais pas de quelle région elle est. 4G, 4G, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle chante à quelle langue? Maintenant, nous, on est ici, l'agence matrimoniale chez Malou Bombok. Karine. C'est Karine qui est inscrite. Quelle c'est agence? Karine. Ah? C'est la nouvelle agence? Oui, oui, chez Malou Bombok. Agence de voix de fret ou... Matrimoniale. Attends, écoute. Makala Luzou. Ah oui, ça c'est le nom là, je connais. C'est pas Umba. Non, je la connais pas. Mais elle n'est pas congolaise. Umba Gaolo, attends. Elle est belle, hein. Umba. Ah, Samboléa. Samboléa. Gabanga, ma kamoua, il y a été. Ça c'est de maintenant, hein. Deli Yoko, ça il sous publicité aux autres combats. Ah ben, moi je dis. C'était pour Karine. Mais les fans de Karine, ils ont appelé ici. Ils ont dit, Karine, comme tu es avec Mama Jackie, trouve-toi un blanc et tout. Malou Bombok était là. Malou Bombok, elle a dit, moi, maintenant, j'ai une agence matrimoniale que tout le monde peut s'inscrire. Cherche Marie. C'était comme ça. Ouais, c'était comme ça, Malou Bombok. Ok, je comprends. Mama Jackie. Présent. Ah, oui. Oh, le problème, mais ça. Ah oui. Mais il y a une chance matrimoniale. Rosita, tu vas t'inscrire. Non, j'ai pas besoin. Ah oui, tu as besoin. Pourquoi fois? Ah oui, pour avoir la conversation. Voilà. Même à la con, même à bon, même à. Non. Dis, c'est ma oui. Non, j'ai pas besoin. Mais c'est Malou qui l'a. Ben voilà. Ah ben tu sais chance. Quoi, tu tombes sur des comptes. Oui, voilà, regarde. Mais l'autre, j'ai. Des gros comptes. Et des villas. Parce bah oui. Pas beau, hein. L'autre, j'ai éliminé carrément. Ah. Mais tu vois. Non, tu as éliminé qui L'agence, là, c'est ouais. Déjà, ça fonctionne. Regarde la tête qu'il a. Oui. Regarde la tête. L'agence matrimoniale, c'était pour Karine. Voilà. Montre le monsieur. Non, il est vilain. Voilà, c'était pour Karine. Il faut avoir envie. Hein. Non, les beaux des hommes, il faut regarder à la poche. Hein. Eh ben voilà. Ah, il n'est pas beau ici, peut-être oui. Il est beau. Peut-être que je n'ai pas besoin de ça, oui. Donc je regarde quand même la beauté. Non, la beauté. On vit. Je n'ai pas besoin de fric. Ben oui, voilà. C'était pour Karine. Tu vois, c'est vrai que si on a besoin, on ne fait pas attention. Mais on s'en fout. Mais c'est les fans. C'est les fans. Soit beau ou vilain. Mais c'est les fans qui ont demandé. Après, Karine a dit, Maman Jackie, on a 40 jours. Mais comment on va sortir? On veut que les fans, on veut que Karine...
Abba la Mundele, et veut que Karine se marie avec un blanc. Je dis, comme tu es chez Maman Jackie, Maman Jackie te branche. Après, Maman Jackie a mouta, bah, Mindele. Ah, bah, directement, Malou, elle a dit, elle a une agence matrimoniale. Ah, agence, c'est Bandai Bou. Ah, bah, c'était comme ça. Et c'est quoi, Mithil? Ok. Eh ben, bah, tiens. Mithil? Eh ben, bah, tiens. Eh ben, Kamata, eh ben, tiens. Bah oui, c'était comme ça, et c'est passé comme ça, ben voilà. Bah ouais. Cherche Marie. Tu sais, bah, oui. Au magasin. Bah oui, nous tous, on cherche Marie. Qui vient au magasin? Des hommes, on va faire la cour. On va faire la cour. Mais c'est. Pépineuve, c'est pas grave. Parce qu'il sait bien que je ne serais jamais capable de faire quoi que ce soit. Mon mari, il a vraiment confiance en moi. Mais il y en a certains qui viennent me faire la cour et qui me font des avances. Cherche Marie, agence. Mon mari, il a confiance en moi. Ça fait maintenant, j'ai 43 ans qu'on est mariés. Ah là là, félicitations. Il n'a pas confiance à toi? Non, il a dit la confiance. 43 ans. Qu'est-ce que tu veux que je passe à 43 ans de mariage quand tu as des jeunes qui pourraient avoir l'âge de mon fils qui vient me draguer? Ton fils a quel âge? 29 ans. Ça, c'est les chips. Ils arrivent, ils ont le courage de te faire du rentre dedans. Mais tu sais, ce sont des jeunes qui sont... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est une forme de prostitution aussi, parfois, tu vois. T'as des jeunes gars qui sont très beaux et qui vont draguer les femmes d'un certain âge, comme moi. De vieilles, ouais. Des femmes qui sont posées. Qui se disent, ouais, elle a un magasin, elle doit avoir son appartement, elle doit avoir ci. Bon, moi, j'ai rien, je suis même pas au chômage, je vais me faire entretenir. C'est un peu ça. Il y en a beaucoup. Des profiteurs, hein. Tu vois, il pas... et comme mais il finit mal, même s'il profite. Oui, mais comme c'est des beaux garçons, non, ils font plaisir. Non, mais moi, je connais, il y a même des garçons qui ne sont pas beaux, qui sont moches, mais ils profitent. Hein. Ouais. Voilà, il y a des boulots. C'est pas, il y a un petit bébé boulot. Il y a un boulot, ouais. Ouais, non. C'est pas comme ça qu'on rencontre quelqu'un. Bon, il y a un vilain beau basel, on est là, ça va aussi, là. De toute façon, on aura cela bien. Yo mon là est longue bébé. Ben mali solo. Bon, mais ça beauté c'est l'intérieur. Bah écoute, moi j'ai rencontré des gens comme ouais, beaucoup d'argent. Ouais, l'amour c'est pas beauté hein, c'est l'intérieur. Bah bien sûr. Il faut aimer quelqu'un qui a le grand cœur, oui. Bien, écoute, qui te supporte. Il y a c'est ce que disait Jacqueline en face de chez moi, il y a un cabinet d'avocats. Il y a des bons avocats. Ils te font la cour, t'es casé, hein. En plus, c'est des gens intelligents. Donc tu t'ennuies pas psychologiquement et financièrement. Pourquoi on casse ta caméra? Il faut tout dire, hein. Ici, hein. Il n'y a pas les tabous. Ben, là, agence cherche Marie. Les Malou Bomboka. Blé, blé, tout ça, c'est là, oh, t'attends. Malou, il y a ah oui, ah, ben, c'est elle qui fournit tout le choses à manger, les boissons, la bière. C'est elle. C'est elle qui achète. Elle vient à quelle heure? Ah ben, elle vient toujours tard. Ah ben, moi, je serais rentrée parce que... Attends, je vais l'appeler. Attends, je vais savoir. Je dois partir. Blé, dans... blé, attends. Un quart d'heure maximum. Mais c'est elle. Tout le jour, on mange. C'est chez moi. Hey, c'est là, c'est tous les jours, on mange frais. C'est Malou Bomboka. Grâce à elle. Et si, oui. En tout cas, c'était un grand là. merci avec tout le monde. Et si le couvre-feu, c'est à quelle heure? À minuit? À minuit. Oui. Et chez vous, c'est à quelle heure? 21h. 22h, pardon. Malou. Où c'est? Boisfort. Watermal Boisfort. C'est quelle heure maintenant? Bah, il est 21h10. Dans un quart d'heure, 20 minutes, il faut que je parte. Eh, hey, Marraine, faut pas. Marraine, tu pars où? Ouais. J'arrive, faut pas manger encore, j'arrive. Mais c'est venu à Sénégal. Ben, elle est là. À Sénégal, il vient blanc, elle est pas fatiguée. Non, rouge, je le préfère rouge. Mais pas à Sénégal. Non, elle est l'ambiance. Mais je dors avec, quand il veut dormir avec moi, je dors, c'est pas mais t'es là, la normale, c'est. Eh, mais pour le lever, c'est difficile. Ouf, il faisait chez toi au magasin.
ma copine de longue date. Tu vas poser, tu vas mettre sur. Oui, ma copine de longue date à son magasin. On a déjà vu avec les télé-réalités qu'on avait fait. C'est un magasin, on s'est connus depuis. Et alors Claire, elle a perdu son chien. Oui, venez, faites bisous. Oui, venez. Ma nièce, c'est mon neveu qui est le fiscal. Oui, ne le dis pas, ne le dis pas, parce que ça reste anonyme. Voilà, on préfère que ce soit anonyme. Hein? Bah oui. Au revoir. C'est bon. Au revoir, Caleb, faut passer de temps en temps me voir, dire Christian. Ok. Eh, tata, tu vois, grâce, elle est passée sans vous, hein. Oui, oui. Grâce est venue, tu l'as vu? Oui. Mère Achille, ah, Mère Achille. Ok, merci. Hein. Fisson, chinoise. Pas de temps en temps. Ok, okay voilà. On a eu Mère Achille. Ma copine de longue date. Ma copine de longue date. Mais comme la patronne du magasin, elle est là. Avec moi. Jacqueline dit toujours elle, je suis sa sœur blanche. Elle vient pleurer, oui, voilà. Elle dit toujours que je suis sa sœur blanche. Elle va aller sa maman, la maman déjà. Mais quand on est sorti, hein, quand on est sorti. On a le même délire. On a le même délire, toutes les deux. Donc, bah oui, voilà. Bah oui, on a le même délire, on a le même moral. J'ai trouvé ma sœur blanche. Tu as notre sœur blanche. Je peux vous servir? Oui, bien sûr. Elle est là. Mon mari m'a dit comme ça, j'espère qu'on va te retrouver à terre. Ma Rosita dit maman. Ma Jacqueline dit maman. Avant qu'on passe, je vais chercher un bon bouteille de vin pour. Pour qu'il au bébé. Non. Oh, il est devenu hypochondriaque avec le Covid. Bah oui, j'ai une bonne cave. Moi, mon mari est devenu hypochondriaque avec le Covid. Ouais. Là, c'est terrible. Ouais, ouais. Vivement les vacances. Mmh. Ah, bah, les personnes qui partent en vacances. Que ma belle-mère et ils sont partis, on devait lui servir un jus. Oh, ma mamie, elle aime bien aussi. Mamie, elle veut du jus d'orange. Je peux le donner. Ma reine, est-ce que vous voulez boire un vin rouge, un vin blanc, un coca ou de l'eau? Ma reine, est-ce que... Ma reine, est-ce que... Il faut que je... Moi, je vais chez elle. Voilà. Je... Des fous que moi. Beaucoup de bonnes amies, mais ça, c'est ma responsabilité. Ma reine, qu'est-ce que tu veux boire? Je vais manger de boire. Tu veux boire de l'eau? Toujours. Moi, avec vous, on a, papa, il voulait pas. Tu continues à faire des choses. Hein, celle-là. C'est une courageuse. Grave. Et tu postes toujours. Mais si, on a c'est ce que tu fais pour l'instant. Tu as sorti quelque chose de nouveau? Oui, mais c'est juste l'audio. Attends, je vais vous montrer. Vous avez mangé à 5h. Tu as déjà fait un album ou quelque chose comme ça? Non, pas encore. Ben mon neveu, lui, est dans la musique aussi. Je mets le single. Il s'appelle comment? Olivier. J'ai des oranges, j'ai acheté. Olivier Semoulin. Lui, il a un autre trip de musique. C'est plutôt le. Voilà, la musique des jeunes aujourd'hui. Les zouk, rap. Non, pas zouk, rap. J'ai acheté. Comment on appelle ça? Non, j'ai acheté. Tu vois les trucs comme ça. Le est parti. Et il a déjà fait pas mal de choses, pas mal de clips lui-même. Il a fait. Quoi, je voulais. Ah ouais. C'est bizarre que parfois on cherche après des mots, on n'y arrive pas. Oui, c'est énervant. Les rappeurs. Ouais. Sont les rappeurs. Ah, rappeurs. Ouais. Ma reine, qu'est-ce qu'il y a? Je vais boire aussi un peu du vin rouge. Du vin rouge? Ouais. Ah voilà. Bon? Monsieur Rosetta. Tu ne veux pas du coca, ma reine? Nix. Ma reine? Moi, avec, tu veux pas du coca? Moi avec ma reine, au Kalsberg, moi. Ma reine? Ma petite, ma petite. La cadette de la famille. Non,
je viens avec la bouteille. Hein. Ah oui, c'est ouais. Ça. C'est peut-être mieux de prendre du blanc pour commencer. Ma reine a faim. Elle préfère du blanc. Eh bien, c'est bon. Et aussi ça. Belge. Je préfère du blanc. Rosy, regarde ta fleur, hein, se montre l'amour, hein, il ne fane pas. C'est pas vrai. Bah oui, il est toujours là, c'est ça. Regarde, il est toujours là. Ah oui, mais ça c'est l'eucalyptus. Hein. Oui, la première fleur que tu m'as fait. Oui, l'eucalyptus, ça ne fane pas. Mm-hmm. Et tu sais que l'eucalyptus, c'est la plante préférée. Marine, donne-moi, c'est comment tu manges ça? Ouais. Donne-moi. Moi j'aimerais bien aller en. Hé, marraine! Marraine, donne-moi, marraine! Ah, marraine! Ah, marraine! Ah, non, mais donne-moi, marraine! Donne-moi. C'est l'oiseau des médias. Ah. Non, elle va pas donner. Elle mange tout. Marraine, donne-moi! Non. Elle va te dire, il faut pas se cesser. Non. Marraine, tu me fais ça? Non. Maintenant, il mange. Marraine, c'est beaucoup. Moi qui t'assiste la nuit. Donne-moi, Marraine. Avant, il ne mangeait pas. Ouais, mais maintenant, vraiment, tu lui donnes tout. Machine, vous voyez, Marraine ne m'a pas donné. Moi, donc. Je trouve qu'elle encaisse. Bon, moi, Marraine a pibé l'inga. Mais elle a beaucoup. Elle est dans un sens. Elle encaisse en mangeant. Elle n'a jamais mangé. Oui, mais dans un sens, je dirais que son problème fait qu'elle n'est pas à 100%. Pour moi, j'avais fait 10 jours sans manger. 15 jours sans manger. Et pourtant, quand je fais 3 jours sans manger, je descends en rampant dans le fesse pour venir chercher le coup. Tu descends comment? Non, je descends escalier avec mes fesses, hein, parce que je tremblais. Hein. Mmh. Ah, j'ai tremblé. Après ça. Je fais là. Ma reine a pimelingaï. Ça, c'est mon dernier single. Mais je n'ai pas encore clippé. Ah oui, tu l'as sur le site de Freddy? Pardon? C'est sur le site de Freddy, ça? Non, non, mais c'est lui souvent qui fait la promo. C'est lui qui fait la promo, ouais. Mais c'est ma site à moi. Maintenant, lui aussi, moi, je trouve que c'est bien ce que tu fais. Hein. Parce que c'est un peu un mélange d'R&B et un peu d'R&B. Non, laisse nous dire comme tu es en train de filmer là. Ça fait bien. Ça, c'est le dernier que tu as fait. Ouais, c'est le dernier. Elle a dit ça, c'est la quai. C'est la quai. La quai de qui? La marraine. La marraine, elle est grave. T'as zone de l'ouran à baigner au prix. En fait, hein, moi je pense que les réseaux ça aide un petit peu, mais c'est pas ce qu'il faut. Il faut parfois aller chercher les médias. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je disais à mon neveu, parce que les réseaux, c'est vrai que tu as toujours des vues parce que les gens sont un peu curieux et n'ont que ça à faire, c'est de passer leur temps sur les réseaux. Voilà. Et à critiquer plus qu'autre chose. Je sais ce que c'est, ça ne fait pas, ça fait pas toujours du bien, mais tu n'es pas jugé par des professionnels, c'est ça le problème. Mmh. Tu es jugé par des personnes qui ne connaissent rien et qui vont émettre des avis qui ne sont pas les bons et qui peuvent jouer aussi sur la façon dont tu vas voir les choses. Quoi. Mais par contre, si tu arrives à toucher, c'est vrai que ce n'est pas donné parce que j'en ai discuté avec mon neveu, ça coûte de l'argent pour passer ne fût-ce que 10 minutes à la radio. Ou aller à une émission. Oui, tu ça dépend, parce que chez nous. Parce qu'il faut tout le temps payer. C'est pas gratuit. Oui, mais moi, comme je suis du domaine, j'ai aussi mes confrères, mes concerts, etc. Ça peut passer gratuit. Oui, mais tes concerts, tu les fais, mais à partir du moment où quelqu'un s'intéresse à toi, où tu vas pouvoir faire un album ou tu vois. Mais non, ouais, là, ça devient du sérieux. Hein. Tu vois, ça devient du sérieux. Voilà. Et c'est là, à partir du moment, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont arrivés en mettant sur leur réseau leurs idées. Mm-hmm. Et par rapport aux vues, il y a des gens qui vont peut-être aller piquer à gauche, à droite, parce qu'il y a des gens qui ne passent leur temps à faire ça et se dire, tiens... on va découvrir une artiste ici et là, Angèle, tu vois, la Belge, Angèle, elle a été découverte comme ça. Et puis alors, à ce moment-là, tu as des sponsors qui s'occupent de toi et qui vont investir, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça le but. Hein.
C'est pas facile parce qu'à la base, si tu veux le faire par toi-même, c'est toi qui dois investir. Voilà. Ah ouais, t'as tout compris. Bon, merci beaucoup. Ah bah oui, j'ai tout compris. Mon neveu est dedans. Et il a raté sa chance, mon neveu. Comment ça? Parce qu'à Paris, j'avais un ami qui faisait, qui est artiste, Orlansky. Mmh. Il est artiste. Il fait des sculptures. Qui est très connu parce qu'il touche toute la jet set, tu vois, des DJ et tout ça. Mon neveu est dedans. Et il a raté sa chance, mon neveu. Comment ça? Parce qu'à Paris, j'avais un ami qui faisait, qui est artiste, Orlansky. Mm-hmm. Il est artiste. Il fait des sculptures. Qui est très connu parce qu'il touche toute la jet set, tu vois, des DJ et tout ça, tu vois. Et alors, ils avaient fait une grande soirée, là, à ce moment-là. Et tu vois, tout le monde y allait. Il y avait des rappeurs de connus, moins connus, à cette soirée. J'avais demandé à mon neveu, je dis, écoute, c'est l'occasion. Tu t'introduis. Et tu essayes de montrer ce que tu sais faire, ne plus que 5 minutes. Ça dure parfois, tu vois, un claquement des doigts. Et t'es repéré. Ben, il faut que tu ailles jusque là, quoi. Parfois, il faut faire des efforts. Et il l'a pas fait. Oui, il est sur ici. Il faut manger là. Mais il faut encore une seconde chance. Ben, la seconde chance, il faut la saisir. Mais tu sais, quand t'as un certain âge, les secondes chances, c'est moins évident. Bon, mon neveu, il a déjà un certain âge. Il est plutôt jeune, hein. Il a, 30, presque 40 ans. Ah ouais. Je trouve que c'est un peu tard. Non, mais il faisait des quand beaux... tu vis encore, il n'est pas tard. Hein. Mais il faisait des beaux clips. Hein. Il faisait tout lui-même. Hein. Il organisait avec des amis. Il faisait des clips. C'est lui-même qui dépensait. Ah oui, enfin, avec le matériel qu'il avait. Mmh. Tu vois, il faisait avec ce qu'il avait, moyen du bord. Ah, il arrivait à faire des bonnes choses. Ah d'accord. Il avait des caméras, des projecteurs, tout. Ouais, tout je ne sais pas ce qu'il utilise, hein, mais mmh. Il avait ce qu'il fallait pour pouvoir filmer, faire un beau clip, quoi. Ah, le clip était pas mal. Ah ouais. Il avait des bonnes idées. Il reste ici en Belgique? Oui. Ah, bah, c'est devenu un hobby maintenant. Il est passé 2-3 fois à la radio, mais on s'en plus, quoi. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça aussi. Hein. C'est... Quand on arrive, je dirais, quand on a fait un parcours dans la vie, il y a des moments où tu te mets en question et tu te dis, tiens, j'aurais pu faire ça, 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 ça et ça. Mais parfois, il est trop tard, même pour moi. Hein. Je me suis découvert des talents que je n'y aurais pas pensé il y a 30 ans. Si j'avais eu cette idée il y a 30 ans, ça aurait été mieux. Maintenant, j'ai moins le courage de devoir m'investir sur certaines choses. Maintenant, vous avez quel âge? 61. Oh, waouh. Oui, bon. Il faut avoir des projets dans la vie pour avancer. Hein. C'est... Mais peut-être donner des projets, des idées aux autres. Les autres qui sont moins âgés, qui peuvent les faire. Et qui ont la possibilité de le faire, avoir des idées. Ouais. Ben, je t'ai vu dans tes clips. Hein. T'es super belle. Hein. Ah, merci. Avec tes bouteilles de champagne derrière. Ah ouais, là c'est l'acoustique. Là c'est mon acoustique. Ah ouais, merci. Encore ma Jackie. Mais j'ai plus de 5 clips sur YouTube. T'as déjà tout vu? Oui, j'en ai vu 2. Je crois que j'en avoir vu 3 au moins, minimum 3 sur les 5. Si t'en as 5, j'en ai vu au moins 3. Ah ouais. Non, mais j'en ai plus de 5. Plus de 5. Attends, moto, laissez-moi tranquille. Confinement. Et puis autorité. T'as fait un truc sur le confinement? Ouais. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont eu des idées pendant le confinement. Bien sûr, parce que tout le monde était à la maison, donc. Nous tous ont commencé à composer. Oui. Et bah, naturellement, pour des représentations, des concerts et tout ça, c'est moins évident. Mais t'as des projets pour des concerts? Si, mais. C'est pas la TV et y est dans ma cambouille à Sikali Zouzou. Oh, ma chaîne y a France, et Zanakati. Ma chaîne y a Congo, et Zanakati. Ma chaîne y a Londres, et Zanakati. Au moment de ma cambouille politique, y a Sika. Oh, parti AA, et Zanakati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO, et Zanakati. Y a CP la TV.
bouquet comme il y a un bouquet boy. Au tien à poche, voyager dans aucun partout lingi. Na bouquet, c'est pas la TV. C'est pas la TV. Mais ma bisonne, on a mis sur la 4K. Machine, ma daka daka. C'est pas la TV. Bienvenue dans le monde de Cepela TV. Cepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mimi, qu'est-ce que tu fais? Pierrot, j'ai envie de l'argent. Nazan n'a pas ça, Yakosomba Kabelo, Pierrot. J'en ai ras-le-bol de toi maintenant, Pierrot. Écoute, j'aime pas de bêtises. J'aime pas ça. Lala. C'est quoi ça? N'a compte à la chambre. Matsuke Panzani Panzani. On le voit là, boy. Sous moi dans le matelas la moutou Laurent, n'attends la moutou boy. Laurent a brisé le film, les 35 ont été devenus n'y a pas le carré. Laurent parce que, eh, après ça on m'a besoin de mon bonbon. Tu vas me maltraiter? Pour ma 5 yon bon on a son bacabello. Yon bon boy. On n'a pas un bébé. On a un cabello, cabello. Nana mon bon 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 de souk le roi de bandit film qui chinois sika babi bon pose à la vacance bah non quoi ça souk non quoi pas mais chaque qui bon boy bah chaque qui me sert comme un pète à bon dans le visa beauté mon zomo na au bon quoi mina famille na binoté au colis pas ma voisin. Vraiment. Non. La mémoire est zongi normal. Na songi na Olga Mokondi Abakabelo na Belgique. Ni na meilleur. Papa, onan. Moi si na yo. Balobin Zambé Azamoko. Nga mikolo no benge professeur de l'école. Tant où y a zoka biki na kaye pour ko sala a corriger. Yo bon ya bien. Eh, bon na yate. Balobi, rendez-vous est à Kaka Moko. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que pardon, avons dit que nous 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 avons dit que papa. Na yepe. Nalanda ki na segi bolimbisi. Ni na unangai. Eh, mukona mona ki na mona ki mukolo. Asungu mwa mukia. Asungu mwa mukia. Asungu na lash. Ni na bota kati. En fait, chérie, avec Olga Mokondi à Kabelo na Belgique, on peut dire quoi? Avec Olga Mokondi à Kabelo na Belgique. Ah, sexy lady mama, Mokondi. Chez Olga Kabelo, ouais c'est la qualité, bah conseil au thé, mama. Mon sou à qualité, bah planté ta fumba, mama. Y'a bango y'a kouba, mama. Y'a biso y'a original, chez Olga Kabelo, ya yeah, ya. Yeah. Partout dans le monde, ma maman boyo kaboya kosomba kabelo, et pas y'a Olga.
Kakabelo. Ah, c'est la puissance. Voilà qu'on se bat Kabelo. Kabelo ya original. Ma maman qu'on se bat Kabelo. Kabelo ya original. Et ça qui toko ya ya. Et ça qui toko papa. Et ça qui toko maman. Et ça qui toko ya ya. Ya ba mama Kabelo. Ya ba mama Kabelo. Voilà qu'on se bat Kabelo. Ya ba mama Kabelo. Ta ba chérie Kabelo. Ya ba mama Kabelo. La joie à Mato Pichuna, na Oliso, na lobito somba kabelo, na lobito la kabelo, na lobito denga na kabelo, eske oza na kabelo, oya olga kabelo, oya olga kabelo, oya olga kabelo, oya olga kabelo, na lobito somba kabelo, na lobito la kabelo, na lobito denga na kabelo. Konzi la baronne, chante patron Bogos, Abed Achou. Chez mon Konzi officiel, vous avez information de l'artiste de Kibolingaka. Karine Mokonzi la baronne, Nayeli Soussou. Toko Bunda Nanzoto Te. Big up fire pour mon bon fire. A Karine Mokonzi, c'est juste un big up. Culturel, tout est côté politique, donc tous abonnés, chaîne à mon YouTube chez Mokonzi officiel.